sardine sentit dans son cœur quelque chose comme une épine. L'âme étant d'humeur amère, soucieuse, chagrine, elle prit donc la route pour trouver une âme câline et un peu. Chez Califleur, son ami d'enfance, qui lui dit: c'est une horreur, quelle affreuse souffrance. Décidément, le malheur n'a pas de limite. Heureusement qu'un jour on meurt, ma pauvre petite. Anacardine, dépité, reprit son chemin, sentant qu'après cet exposé sur le drame humain, sa blessure était encore là. Et pour en prendre soin, elle alla chez Amandola chercher du soutien. Cette dernière, dans un sourire, lui dit: je n'ai rien, il y a des choses bien pires, pense aux Éthiopiens. Je te fais tout un empire d'une petite province, ça te passera comme un soupir tant la chose est mince. Anacardine chez Philistère se fit expliquer que son mal était sans mystère, c'est pas bien compliqué. Les chakras ne sont pas bien en place, le type est rayé, à moins que ce soit joint de culasse qui soit encrassé. Chez Didi, elle s'entendit dire: prends-toi des vacances. Au contraire, elle reçut des luires, augmente la cadence. Tom lui dit: ça me fait pareil, chaque fois que la lune monte, je te fais un thé aux groseilles et je te raconte. Sa mère lui dit: ma fille, c'est bien fait pour toi, tu es toujours trop gentille, je te l'ai dit 100 fois. Son père lui dit: allons, sèche-moi ces larmes, tu mouilles tout ton pantalon, allez va, allez va. Anacardine dépassée, et là dans sa solitude et sans y penser, s'offrit enfin l'interlude qu'elle recherchait. Elle parla en toute franchise et sans retenue. Elle parla net et précise, elle se mit à nu. Elle parla libre et sincère, authentiquement. Elle parla émue et claire et abondamment. Quand son sac enfin fut vide, elle se perçut dans un immense désert aride. Mais un couinement lui indiqua que dans son dos, sagement posté, un petit chien tout penaud l'avait écouté. Il vint lui lécher la main, puis il s'en alla, effaré dans le matin. Elle ne bougea pas, elle resta dans sa stupeur.